Voici Brise, 21 ans, 1m75 au garrot, un bel alezan recueilli par Isabelle Leroy via l'association Galop pour la vie. Brise a travaillé toute sa vie dans un centre équestre et comme beaucoup d'autres chevaux qui vieillissent, quand arrive l'âge de la retraite, ils partent en direction de l'abattoir. Mais pour Brise, il en sera autrement, cette jument finira ses jours en pâture. C'est donc un cheval de plus qui échappe à la boucherie. Pour l'association, c'est une belle victoire même s'il reste encore beaucoup à faire. La difficulté principale, c'est vraiment trouver des adoptants. Des adoptants qui sont fiables et qui correspondent à nos critères, parce qu'on est une association assez stricte sur le placement des chevaux. On ne place pas un cheval pour ne pas soucier de son devenir, son avenir. Les adoptants qui souhaitent prendre sous leurs ailes un équidé doivent remplir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir l'accueillir. Une fois l'adoption faite, l'association continue de garder un œil sur ses petits protégés. Il y a un suivi, c'est-à-dire que déjà, ils font des recherches entre guillemets, sur vous, c'est-à-dire où ira le cheval. Si le cheval sera dans un endroit très bien pour lui, parce que c'est le plus important aussi. Brise, on sait qu'elle est là, qu'elle est bien, qu'elle est dans son pré ou dans son box, et qu'il y a tout le monde ici, et moi-même, auprès d'elle. Et donc c'est un bonheur quotidien, en fait. Hébergement d'urgence, signaler un équidé en détresse ou faire du bénévolat. Cette association de sauvetage a plus que jamais besoin de vous.